Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les collections Oh Girl et Oh Boy de chez Craft O'Clock. Ces deux nouvelles collections qui vont remplacer les deux précédentes filles et garçons. C'était Little Boy, Little Girl, quelque chose, je ne sais plus exactement. Donc je vais vous les montrer. Alors elles existent en 15-15, en 20-20, en 30-30. Pour avoir plus de détails, je vais vous les montrer en 30-30. En sachant que en 30-30, vous avez 6 feuilles doubles, donc 12 designs en tout, mais on a 6 feuilles. Sur les blocs 20-20, on a 24 doubles pages, donc 4 fois 6 pages, 4 fois les mêmes 6 designs. Et sur les blocs 15-15, enfin, pareil, on a 24 doubles pages, donc 4 fois les mêmes 6 designs. Donc les designs que je vais vous montrer, vous les aurez 6 fois dans les autres blocs, en 20-20 et en 15-15. Donc je vais me mettre comme ceci. Pour que vous puissiez voir. Alors, la première page est une page de fond. Comme ceci. Ensuite, on a cette page qui est absolument mignonne, absolument magnifique. Petit détail de la chouette en haut, donc ici. Et le petit ourson là, trop mignon. À l'arrière, on a ce joli fond. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra, dites-le moi pour les fonds comme ça. Alors ça c'est pareil, c'est absolument magnifique. Et on a ce fond là à l'arrière. Voilà pour la page suivante. Et à l'arrière on a des petites lignes comme ça, c'est assez sympa. Ensuite ici on a ce papier, donc avec plein de détails ici en bas. C'est très détaillé, c'est trop mignon. Et les petits cœurs qui sont trop choux à l'arrière. Ensuite, on a des fleurs comme ça. Et à l'arrière, on a ce design, ce fond. Ce fond qui est très joli. Et ensuite, pour terminer, on a cette page. Donc très mignonne, encore une fois. Le petit château, le petit arc-en-ciel, le petit mouton ici. C'est vraiment très mignon. Et ce design là à l'arrière. Donc voilà pour le bloc des filles. Ensuite pour le bloc des garçons. Donc ici à l'arrière c'est toujours une page offerte. Ils appellent ça la page l'extra set offert. Donc voilà pour ce fond. Et après c'est le même papier en fait. Mais version garçon. Donc voilà. Ce sont les mêmes dessins. Et version bleue. Voilà. Voilà pour celle-là. Voilà pour celle-là. Et voilà pour celle-là. Alors, pour continuer, je vais vous montrer les extra sets. Et je pense que, pour comparer un petit peu, je vais vous les montrer les deux en même temps. Donc, la collection fille et la collection garçon. Donc, déjà ici, on a quelques étiquettes, comme ça, quelques cartes. Et on se rend compte que ce sont exactement les mêmes, mais en version fille et version garçon. Elles sont très belles. À l'arrière, on a le complément, en fait, avec les cartes. Donc, comme ça. Et comme ça pour la version garçon. Alors là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est là au milieu. Donc, je vais vous le mettre là au milieu. Comme ça, vous allez bien voir. Ensuite, on a les chiffres. Donc on a des chiffres comme ça, un petit peu grand, un petit peu petit, de formes et de tailles différentes et de couleurs différentes. Donc là moi j'apprécie particulièrement ces petites images là comme ça. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment très joli. Voilà. Voilà comment se présentent ces deux là. Et à l'arrière, ce sont les pieds de poule de nouveau. Ensuite, on a des cartes étapes. Donc, on a des cartes de mois avec le janvier, février. Alors, on n'a pas les noms des mois, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va à chaque fois jusqu'au 31. Voilà. Donc, version fille, version garçon. Et à l'arrière, on a ces deux designs avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici, c'est de la dentelle tout le long. Donc en version bleue, en version rose. Ici, on a la suite des cartes jusqu'au numéro 12, donc pour la première année.
Voilà, ces cartes sont vraiment très très jolies. Et à l'arrière, on a ce fond. Ensuite, on a des petites cartes comme ça. Alors, la seule chose qui est dommage, c'est que ce ne soit pas écrit en français ou en anglais, c'est écrit en polonais. Alors, c'est sympa, mais il faut comprendre le polonais. Par contre, en tournant, on se rend compte qu'on l'a quand même en anglais. Donc, en anglais, c'est sympa. Alors, petit explorateur, voilà, sweet love. Après, c'est des choses qu'on peut comprendre en anglais, hein. Mon nom est, my name is, donc je pèse, je mesure, je suis né quand. Donc voilà, donc là, un côté polonais pour la Pologne, bien sûr, puisque c'est une marque polonaise, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais on a quand même le côté en anglais assez sympa. Donc c'est bien d'avoir pensé de faire ça dans deux langues différentes. Donc ici, on a hop, la version anglaise ici. Pareil, hein, toujours des cartes qui sont assez joliment faites. Et de l'autre côté, c'est la version polonaise, mais c'est exactement le même papier. Et on est reparti pour un tour, puisqu'on a, sur ces papiers-là, on a deux fois les mêmes 6 designs. Donc, deux fois les mêmes 6 designs. Ils ont été jusqu'à pousser, jusqu'à mettre deux fois la même couverture. Je suis pas sûre que d'habitude, on a deux fois la couverture. Et là, on a même deux fois la couverture. Donc, voilà pour ces deux grands blocs ici. Ensuite, je vais vous présenter l'extra set. Donc, l'extra set basique, on va dire ça comme ça. Donc, pour celui-là, on a deux fois les mêmes 9 designs. Il y en a un peu plus. Et il y a 18 doubles pages. Donc, déjà sur la couverture, on a déjà quelques petites choses. Et voilà ce qu'on a à l'arrière. Donc là, il y a du détourage. Ensuite, on a la version fille et la version garçon, comme ça. Et à l'arrière, on a ceci. Alors, je vous conseille, si vous voulez de regarder un peu plus longtemps les designs, c'est de mettre pause à chaque fois sur votre vidéo. Ça sera plus simple pour voir plus en détail les designs. Parce que je retire mes mains à chaque fois pour que vous puissiez mettre pause pour voir les designs en entier, des fois que mes mains vous gênent pour regarder. Donc ensuite, on a ces deux pages-là. Et ces deux-là, comme ceci. Ensuite, on a les petits éléphants et les petits moutons qui sont trop mignons. Regardez-moi ça, et les petites girafes. Et à l'arrière, on a la même chose. Ici, on a les petits oursons trop mignons avec des montgolfières très très jolies d'ailleurs. Et on a pareil de l'autre côté. Pour celle-là, voilà ce qu'on obtient. Et voilà ce qu'on a de l'autre côté. Pour la page suivante, c'est la page des cadeaux. Comme ceci. Alors ensuite, elles sont à l'envers. Je vais vous les mettre à l'endroit. Donc on a ceci avec la petite cigogne qui ramène les petits bébés. Si ça pouvait se passer comme ça, ça serait assez sympa. Ensuite, on a des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Des fleurs pour les petits bébés. Puisque les petites filles naissent dans les roses et les petits garçons naissent dans les choux. Tout le monde le sait. Ensuite, on a ceci, donc des très belles fleurs encore une fois, et ceci. Et on est reparti pour 9 designs identiques. Voilà, on a deux fois la même chose. Alors ensuite, on a les labels. Donc sur les labels, hop, déjà ça, ça va là. On a des cartes complètes au niveau des labels, puisque la pub, comme ça, elle a été séparée. Donc ça, c'est assez bien pensé. Donc pareil, je vais vous mettre ça comme ça. Et à l'arrière, par contre, il n'y a rien. Ensuite, on a ça. Comme ça. Hop. À l'arrière, on n'a rien. Ensuite, on a ces deux-là.
On a ensuite ses designs. Et puis on a cela. Et pour terminer, on a cela. Donc voilà pour ces jolies, jolies pages de label. On a 6 pages, voilà. Donc elles sont assez répétitives, ces pages. Il y a 3 fois les deux mêmes designs apparemment. Ensuite, pour les deux derniers extra sets, ça s'appelle les Basic Paper Sets. Donc là, on a des fonds. Et alors là, on a 18 pages, 3 fois les mêmes 6 designs. Donc ce design-là. Ici, on a ça et ça. Ici, ça. Ça et ça. Ensuite, on a ça et ça. Les cœurs et ça à l'arrière. Ceci et cela. Ensuite, on a ça et ça. Et on est reparti pour 3 fois les mêmes 6 designs. Voilà tout le monde, c'était la présentation de la collection Oh Boy et Oh Girl. Les deux nouvelles collections, donc bébé de chez Craft O'Clock. J'espère que ces deux collections vous auront conquises. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres présentations de collections très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, tous les liens sont là en dessous dans la barre d'infos. Plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo boutique Brico et Scrap. Salut !